Kiev à nouveau visée par une vague de drones explosifs. Les autorités ukrainiennes assurent avoir abattu l'essentiel des bombes volantes qui visaient la ville. Les dégâts sont néanmoins importants et le bilan fait état d'un homme de 19 ans blessé dans le nord de la capitale. Selon Kiev, la Russie a tiré plusieurs séries de drones Shahed 136 depuis le nouvel an. Au moins 4 personnes ont été tuées depuis dimanche. Volodymyr Zelensky estime néanmoins que les Russes sont en train de perdre et que leurs drones ne les aideront pas. Le président ukrainien promet de répondre à chaque frappe russe. Moscou assure pour sa part mener des attaques de précision contre l'industrie de défense ukrainienne. Les combats les plus intenses se poursuivent dans la région de Donetsk. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, le stock de munitions russes pourrait s'épuiser d'ici le mois de mars. 8 artilleristes.